Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette deuxième soirée de l'ADN Dance Living Lab. Nous sommes ce soir en compagnie du chorégraphe et co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, Rachid Ouramdan, et de la chamane Céline D'Artagnan pour 45 minutes, au cours desquelles nous allons parler d'une rencontre artistique qui questionne les liens entre la danse et la transe, mais aussi la manière avec laquelle les états de conscience modifiés nous permettent de poser un regard singulier sur le monde. La soirée va se dérouler en quatre temps. Tout d'abord, un temps d'échange avec Rachid Ouramdan et Céline D'Artagnan. Puis, nous passerons rapidement au visionnage du film qui est issu de leur rencontre et de leur collaboration artistique. À partir de là, nous allons réengager la discussion. Je vous invite d'ailleurs à réagir, à commenter, à poser vos questions. Vous avez un onglet à droite de votre écran. Vous avez le chat, mais vous avez également la partie questions. Ce sera plus simple pour nous, pour le quatrième temps de la soirée, de les piocher si vous les posez dans la partie questions. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez donc vous adresser directement à nos invités. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur l'ADN, puisque nous avons initié ce projet inédit en partenariat avec le 104 Paris. L'ADN, c'est un média. Nous racontons les grandes idées, les grandes initiatives, mais aussi les controverses qui façonnent notre époque, tous les jours sur le web et tous les trimestres en format revue, avec l'intention de renouer avec l'esprit de conversation et d'engagement. Alors, avec l'ADN Dance Living Lab, nous voulons poser une question. Comment la danse nous permet-elle de porter un regard décalé et singulier sur certains des grands enjeux de l'époque? Et tout de suite, pour en parler, j'accueille Maxime Fleuriot, qui est directeur artistique de l'ADN Dance Living Lab. Bonsoir Maxime. Bonsoir Nastasia, bonsoir à tous. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet et surtout son ambition? Tout à fait. Alors l'ADN Dance Living Lab est né de la volonté de l'ADN et de son président Adrien de Blanzy de raconter différemment le média, de raconter différemment les grands enjeux de l'époque. Et pour cela, on a réfléchi avec Adrien à une manière de sensibiliser le public autrement, de toucher plutôt le registre des émotions, ce qu'on apparente généralement plutôt au cerveau droit. Et on s'est dit que pour cela, le spectacle vivant était une bonne manière justement de faire circuler ces idées, peut-être de les déplacer ou de s'en emparer. Alors, on a réfléchi à un format ensemble et on a fini par associer des chercheurs et des artistes sous la forme de quatre binômes. Vous avez pu en rencontrer un la semaine dernière, Rocio Béranguet et Laurent de Sutter. Ce soir, vous allez en découvrir un autre. Et puis, dans les jeudis à venir, vous découvrirez deux autres binômes, artistes-chercheurs. L'idée, c'est vraiment la rencontre, faire que des mondes qui se connaissent peu ou mal puissent se rencontrer, puissent œuvrer dans un sens de décloisonnement, puisqu'on est dans une société où les savoirs sont très spécialisés. Et là, vraiment, c'est faire que ça puisse circuler mieux. L'autre idée de l'ADN Dance Living Lab, c'est le laboratoire. Parce qu'en fait, ce qu'on a demandé à ces artistes et ces chercheurs, c'est de dialoguer ensemble dans un temps très resserré. Et après, on a demandé à l'artiste, en 3 jours, de produire une forme artistique. Alors, pour rien vous cacher, cette forme artistique aurait dû prendre place au 104, la semaine dernière, sur un plateau. Et puis, du fait du confinement, on a dû tout réinventer pour proposer ce format digital, innovant. Donc, ce qui était déjà un laboratoire est devenu un laboratoire XL sous format digital, puisqu'on expérimente avec vous ce soir cette forme un peu innovante, cette manière de se parler. Voilà, donc ce qu'on va pouvoir voir ce soir, c'est vraiment la rencontre entre l'artiste et le chercheur, Rachid Ouramdan et Céline D'Artagnan, et puis pouvoir visionner le film qu'ils ont produit, donc en 3 jours de tournage et 2 jours de montage à peine. Alors justement, parle-nous un petit peu de ce binôme, nos deux invités, binôme composé donc de Rachid Ouramdan, de Céline D'Artagnan. Je vais te laisser le soin de les introduire et nous expliquer pourquoi on a finalement choisi de les réunir tous les deux. Ce qu'on a cherché en fait en choisissant les artistes et les chercheurs, c'est une forme de diversité. Dans les 4 artistes qui ont été retenus, ce sont tous des chorégraphes, sauf un, on a fait un petit pas de côté, vous verrez ça la semaine prochaine.
Mais ce sont des chorégraphes différents. Rachidou Ramdan, ce qui m'intéresse beaucoup dans son parcours, il travaille la danse depuis le milieu des années 90, il a une grande pratique, et c'est quelqu'un qui a toujours été très soucieux des enjeux de l'époque. Sa danse est très poreuse aux questions de société. Donc c'est cette ouverture-là, cette manière d'embrasser déjà les enjeux de l'époque qui m'intéressaient. Et puis, Céline D'Artagnan, c'est une chercheuse, et dans les chercheurs qu'on a retenus, on a grosso modo deux profils, des chercheurs qui sont plutôt académiques, universitaires, qui ont ce bagage-là, et puis d'autres qui sont plus engagés dans une pratique. Alors, l'un et l'autre ne s'excluent pas, mais avec Céline, on est plutôt du côté de quelqu'un qui est chaman depuis 7 ans. C'est une bifurcation, une évolution dans son parcours professionnel, elle en parlera. Et voilà, c'était rapprocher un petit peu ces deux mondes et ces deux personnalités. Alors, la rencontre a été assez fortuite. Ils se sont croisés lors d'un événement de l'ADN. Et c'est vrai qu'il y a eu, je crois, une envie de la part de Rachidou Ramdan d'aller solliciter Céline sur des sujets liés au corps, liés à la transe, aux états modifiés de conscience. Et on va en parler un peu plus tard. Alors justement, Céline, je vais vous inviter du coup à monter sur scène dans le jargon Livestorm. J'aimerais qu'on puisse vous voir à l'écran. Céline, Maxime, commencez par le dire. Dans une autre vie, vous avez été cadre dans un grand média et aujourd'hui, vous êtes chamane. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous opériez ce passage et comment est-ce que vous êtes entrée en chamanisme ? Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir Anastasia, bonsoir Maxime. En fait, j'étais déjà chamane. Et j'étais cadre en même temps. Donc, j'ai eu en fait ce passage et ces deux mondes. Et puis, en fait, l'envie vraiment à un moment donné de basculer, c'est d'essayer de trouver sa place et de trouver sa place au milieu du monde occidental dans lequel je vis et nous vivons, tout en important une culture qui n'est pas la nôtre et sans la déformer, puisque j'ai deux profs. J'en ai eu un, puis j'en ai un nouveau. Qui sont très à cheval sur les traditions et donc du coup comment essayer de faire perdurer ça en l'important sans faire d'appropriation culturelle, pourquoi faire ce jump aussi parce que j'étais quand même confortablement dans un CDI dans une très belle boîte et en fait il manquait justement tout cet alignement parce que j'ai pas eu culturellement tout ce que m'a apporté l'enseignement en Mongolie. C'est arrivé, si j'ai bien compris, votre parcours quand même, ce passage, cette bifurcation est arrivé à la suite d'événements personnels assez traumatiques. Je ne veux pas forcément vous engager à les révéler tous, mais est-ce qu'il y a eu des réalisations particulières qui vous ont poussé à devenir chamane ? En fait, j'ai réalisé après coup que c'était quand même assez étrange. Mais c'est vrai que ça a démarré il y a 10 ans à peu près. Et ça a démarré à la même date, le 27 mai. Donc aujourd'hui, maintenant, le 26 mai, je ferme les volets chez moi, ma porte, et je bouge plus pendant 24 heures. Mais voilà, pendant 3 ans, tous les 27 mai, il m'est arrivé quelque chose d'assez lourd physiquement, parce que ça m'a vraiment paralysé pendant des mois. Et puis, plus j'allais à l'encontre de moi-même, et plus on mettait encore des épreuves. Et c'est en parlant autour de moi, et notamment à une, et je la remercie, à une réalisatrice qui s'appelle Anne-Sylvie Meza, qui réalisait à ce moment-là un documentaire en Mongolie. C'est elle qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, qui m'a mis un peu sur la voie. Et puis après, j'ai eu une confirmation, j'ai pris un billet d'avion, j'ai pas réfléchi, et je suis allée en Mongolie. Et en allant en Mongolie, pendant une cérémonie, je suis tombée en transe, et voilà comment tout a commencé. Alors, j'aimerais maintenant que Rachid puisse monter sur scène à son tour. Rachid, est-ce que l'on peut vous voir à l'écran ? J'aimerais vous demander de nous parler finalement de cette rencontre avec Céline D'Artagnan. Qu'est-ce que cette rencontre a produit en vous ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de former ce binôme et de travailler avec elle, du moins ? Bonsoir à toutes, à tous, et merci pour votre invitation. Alors... écoutez, je crois que ce qui m'intéresse toujours en danse et dans l'expressivité des corps, c'est de voir comment ils nous racontent toujours un peu des gens qui produisent ces gestes, comment ça fait récit de ces personnes, comment ça nous raconte aussi le monde qu'ils traversent. Et les premiers échanges que j'ai eus avec Céline, au regard de sa pratique, très vite...
nos échanges ont porté sur ce qu'elle traverse physiquement, les états dans lesquels ça la met, et la puissance de cette expérience. Je me suis dit qu'il fallait essayer de la saisir et de la partager avec un public. Alors on s'est tout de suite posé la question du rituel, le rituel chamanique, avec le contexte dans lequel on peut le réaliser, et puis le sens qu'il a. Bon, assez vite, on s'est entendu pour dire que ce qu'un endroit de spectacle, une scène devant un public, parce qu'à l'époque on pensait être en face d'un public en présentiel, pour parler la langue d'aujourd'hui. Bon, on a abandonné très vite cette idée du rapport à l'expérience chamanique, mais par contre, parler de ces états qu'elle traverse, ça m'a semblé un endroit que je pouvais essayer de creuser. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce qui était aussi flagrant dans les échanges, c'est-à-dire, voilà, Céline vient de parler, et j'étais assez frappé de l'extrême douceur qu'elle peut avoir quand elle s'exprime, de sa curiosité, et de la très grande violence physique qu'elle a décrite à plusieurs moments. Et ce contraste-là, je me suis dit aussi qu'il y avait quelque chose qui peut-être, toujours parce qu'on dans cette idée de le partager à un spectateur, c'était aussi faire le portrait de Céline D'Artagnan, que d'essayer non pas de le révéler comme je suis en train de le faire là, mais de le donner à entendre, et peut-être que ça nous raconte aussi un peu de l'expérience chamanique. Je parle de cet écart entre la personne qui allait dans le monde visible et la personne qu'elle devient quand elle rejoint le monde invisible. Et alors j'étais assez troublé dans le studio. Céline a bien voulu me montrer le vêtement qu'elle porte et l'instrument qu'elle utilise, hein, qui est normalement des éléments que personne n'a le droit de toucher, et qu'elle utilise dans un contexte bien précis. Et alors que ça faisait déjà une journée qu'on échangeait, et que je la voyais se déplacer, et puis on faisait un peu des gestes pour essayer de permettre de visualiser, en tout cas de mettre en mouvement des choses qu'on se racontait avec la danseuse dont je vais vous parler, qui nous a rejoint. Dès que Céline a porté ce vêtement et qu'elle a commencé à esquisser, on va dire, les premiers gestes du rituel, j'ai vu un début de métamorphose s'opérer. Et c'est bien sûr toujours, hein, avec l'œil du chorégraphe, c'est ces moments-là que je cherche, en fait. C'est-à-dire ce moment où tout d'un coup, le corps se met à nous raconter quelque chose de autrement qu'elle n'était en train de le faire avec les mots. On s'est arrêté là. D'ailleurs, je ne sais pas si elle voudra en parler, parce qu'à un moment donné, je l'ai vu très vite renlever la chose, en disant, bon, là, je sens que je peux partir. Et elle s'en est écartée. Donc voilà, ça a été, je pense, cette façon de pouvoir autant exprimer par le corps, qui d'abord m'a très vite rapproché, et puis après le rapport à la transe, parce que c'est quelque chose dans lequel je viens d'un milieu où, enfant, quand on avait une fragilité, un souci, une maladie, on pensait d'abord à ce qu'on appelle le shir, l'équivalent d'un marabout, d'un sage, pour pouvoir agir sur eux plutôt que de m'amener voir le docteur. Et c'est vrai que j'ai baigné un peu dans un milieu où il y avait des croyances, des croyances d'un monde invisible pour pouvoir agir sur le monde visible. Et puis c'est aussi quelque chose que je rencontre souvent dans mes voyages, avec mon travail, quand on est en tournée, dans des cultures, en Afrique, ça c'est certain, en Amérique du Sud, au Brésil, là où j'ai beaucoup travaillé. Et je vois bien qu'il y a, dans les sociétés modernes, là-bas, il y a plus de porosité, en fait, et en tout cas, il y a une cohabitation assez aisée entre ce que donc Céline nomme le monde visible et le monde invisible. Et ça aussi, cette évidence
Je me suis un peu reconnue là-dedans, avec quand Céline passe d'une façon très aisée, elle vous parle d'un monde, elle se met à vous parler de l'autre. Et ça aussi, ça, j'ai voulu me rapprocher de ça, d'elle par rapport à ça, parce que je travaille avec des artistes, et, entre autres Laura Yuotkaite, qui est une danseuse que j'ai voulu inviter à rejoindre cette collaboration. C'est une danseuse, j'en parlerai un peu plus longuement après pour pas trop révéler ce que vous allez voir, mais on va dire qui s'exprime sur scène en frôlant la transe systématiquement dans mes pièces. Et donc voilà, j'avais envie de creuser cet endroit-là. J'essaye en même temps de dire des choses, mais sans trop en dire, parce que j'aimerais bien qu'on parle plutôt après le spectacle et pas trop orienter le visionnage. Donc voilà, c'est, je dirais, comme... pour commencer à parler du début de la relation, c'est un peu de là que tout est parti. Et si on enchaîne avec le film maintenant, je vous propose de le faire, tout à fait. Donc on va diffuser ce film qui est issu de votre collaboration. Le film dure 10 minutes. Rachid, je sais que vous avez quelques conseils à donner à nos spectateurs et à nos spectatrices pour qu'ils profitent au mieux de l'expérience. Merci, Nastasia. Avant qu'on le lance. D'accord. Oui, et sans aller à l'encontre de votre invitation à commenter, hein, Nastasia. Mais c'est vrai que c'est un film qui repose sur un certain continuum. Et aussi, la semaine dernière, quand j'ai écouté Laurent de Sutter et Rocío Berenguer, il m'a fallu longtemps pour comprendre d'abord qu'on pouvait élargir l'image. Donc, il y a une petite flèche qui vous le permet. Voilà, donc, n'hésitez pas à agrandir l'image. Et si vous arrivez à ne pas tout de suite être en commentaire de ce que vous voyez, mais plutôt vous les réserver pour la suite, je pense que ça propose une autre expérience. Je leur dis parce que tout simplement, j'ai découvert cette façon de partager ce film, alors qu'au début, je pensais qu'on serait dans un rapport beaucoup plus continu et en pleine image. Donc, si vous le voulez bien, je vous invite à ça. Écoutez, on va lancer du coup tout de suite ce visionnage. Merci. On devient chaman parce qu'on est choisi par des esprits ancêtres, qui nous choisissent. En tout cas, dans mon cas, j'ai été choisie et indiquée par les esprits comme chaman parce que dans ma famille, on est d'une lignée où on a des origines touareg, berbères d'Algérie, qui savent voir, qui savent faire des choses. La transe est une expérience sensorielle et spirituelle. De mon côté, je rentre en transe, je ne le demande pas. Je suis pris d'un violent vertige. Ça m'emporte. C'est un vertige qui est bon, qui est statique. Mais ce vertige, il faut quand même que j'arrive à le contrôler parce que je ne peux pas partir d'un coup. Je ne peux pas effectivement me laisser spontanément happer dans le monde invisible. Donc généralement, j'essaye de garder un pied dans le monde visible et de laisser mon autre pied aller petit à petit dans le monde invisible. À ce moment-là, c'est à moi de décider effectivement de lâcher prise. Et le lâcher prise, il est aussi, on va dire, psychologique et de respect. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est de dire aux esprits avec lesquels je travaille constamment, ok, vous avez toqué à la porte, je vous ouvre. Investissez-moi, je vous le permets, et je pars me mettre dans un petit coin. Donc c'est un travail d'équipe. Je leur laisse volontairement la place, qui est ma place normalement, puisque c'est mon corps, ce n'est pas le leur. Donc ça, la première fois en tout cas que ça se passe et qu'on rentre en transe, c'est assez déroutant. C'est faire entrer un rond dans un carré, ça fonctionne pas. Effectivement, les premières fois, ça fait extrêmement mal. Les sorties de transe, d'ailleurs, pendant un ou deux jours, on n'est pas bien, on est malade. Pendant la transe, d'ailleurs, on a une force qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on arrive à gérer par la suite, avec l'expérience.
tout le jeu de la transe et des esprits avec lesquels je travaille, c'est de s'apprivoiser, d'apprivoiser la force. Moi, elle sera physique, pour eux, elle sera, je ne sais pas, quantique, mais c'est de gérer ces forces-là. Parce que la force qu'ils y mettent, c'est la force qui est traduite par mon corps, et j'ai pas envie qu'ils esquintent mon corps, parce qu'au démarrage des trans, je me suis fait beaucoup mal. Mes phalanges, je tapais énormément du poing au sol et ailleurs, donc je me suis fait énormément mal aux phalanges et au bras droit. Tout l'idée, c'est quand même de perdurer ensemble, en équipe, le plus longtemps possible, sans abîmer le corps physique. La première fois, l'esprit qui m'a en tout cas envahi a commencé à me faire taper du poing sur le sol à plusieurs reprises, et puis c'était vraiment très fort, à tel point que je me suis dit, la bague que je porte, qu'on appelle une harira, ce sont des bagues afghanes sur lesquelles sont gravées certaines choses, je me suis dit, la bague va se fendre en deux, et en fait c'est le plancher qui s'est fondu en deux. On développe une force où des fois je me dis, c'est mes phalanges qui vont éclater, et en fait non, c'est les objets en face qui éclatent. Ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on a à faire. Je dis on, c'est eux et moi. Si effectivement il faut résoudre des choses un peu pénibles, il faut engager des conversations pénibles, engager aussi des batailles, parce que en fait, les esprits mongols sont des guerriers. Donc il y a beaucoup de choses où c'est pas simple. c'est pas il faut de l'amour absolu, puis tout le monde va. Ça va être cool. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai un esprit, un ancien chaman du 16e siècle, qui est un guerrier mongol. Et j'ai un esprit femme qui est du désert d'Algérie, du Tassili Niger. Et les deux ont beaucoup, beaucoup de puissance qu'il faut savoir gérer et recevoir aussi. Et lorsque, effectivement, les problématiques à gérer sont complexes, eh bien, ils engagent le corps, ils engagent la voix. Et peu importe, il faut résoudre. Et donc, ça passe par mon corps. Ça m'arrive d'avoir effectivement des images que j'ai du mal à interpréter. Et du coup, je ne peux pas moi-même aller les remettre dans leur contexte, parce que je ne connais pas le contexte. Donc, c'est à la personne de remettre l'image que je donne dans le contexte. Les interlocuteurs qu'on va avoir dans le monde invisible, certains arrivent à s'exprimer correctement et vont nous envoyer des images très claires, très limpides sur ce que ça veut dire. Donc on aura vraiment des débuts de solutions, de réponses très simples. Et parfois, ils ont plus de mal, donc ils vont nous envoyer une image. Donc il faut recontextualiser, mais il ne faut pas interpréter, donc c'est difficile. Une fois que je suis investie par certains, effectivement, c'est le corps qui va complètement prendre une forme qui n'est pas la sienne. Donc c'est très étrange. Je m'explique. Mes doigts ont commencé à s'allonger et puis à avoir comme une espèce d'arthrose. J'avais l'impression qu'ils étaient des espèces de branches vraiment vieilles. Certaines phalanges qui étaient, j'avais l'impression, retournées ou arthrosées. Et puis ma bouche a commencé aussi à se déformer, à s'attirer plus sur le haut, à certains endroits. Et puis ma voix change aussi, elle devient beaucoup plus grave. Lorsque des esprits m'investissent à ce point-là, physiquement, les traces restent pendant, on va dire, un petit moment, parce que j'ai encore le souvenir de ce que ça fait de sortir sa langue comme un serpent, ce que ça fait d'avoir des mains qui poussent comme des branches et qui sont arthrosées. Et j'ai encore cette sensation qui est inscrite quelque part au fond du cou. Durant cette cérémonie qui était vraiment éprouvante parce que je m'étais arraché la peau, je m'étais vraiment défoncé la main, c'est arrivé sans prévenir, j'ai commencé à voir. Quand je dis voir, il faut s'entendre, il faut entendre que j'ai un masque qui couvre mes yeux, qui couvre mon visage, et je ferme moi-même les yeux, donc je ne vois rien. Mais dans le noir, on voit mieux. Et je me retrouve face à ce qu'on appelle en Mongolie Ptengri, qui est le père ciel. Et c'est un énorme souffle qui m'est envoyé, et là, mon corps, j'ai l'impression qu'il est en lévitation.
Je suis dans un bonheur absolu. Je comprends ce qu'est l'amour absolu parce que je comprends que tout est sacré. Et je le comprends parce que mon corps va se désintégrer en des milliards de particules et va se réintégrer en une unité qui est moi. Et je vais comprendre que je suis tout et que tout est un et que tout est dans nous et qu'on est sacré. Et désormais, j'appréhende le monde différemment. Mais en tout cas, les choses sont plus fluides. Aujourd'hui, c'est en un claquement de doigts, ils arrivent, ils repartent et il n'y a pas de traces. Je peux derrière faire mes activités classiquement et normalement, tout va bien. Maxime, si tu le veux bien, j'aimerais te laisser la parole pour réagir après ce film qui est quand même d'une beauté assez vertigineuse. Je te laisse la parole. Et effectivement, moi je trouve ce film magnifique. Vraiment, c'est pour moi une vraie œuvre d'art. D'ailleurs, c'était assez beau de voir le silence qui a permis en fait ce moment, puisqu'on était tous saisis, là j'entends les commentaires qui montent. Je pense qu'on a tous envie de partager notre émotion. D'ailleurs, je t'invite, Maxime, à couper peut-être. En haut à droite, tu as une petite cloche, tu peux la couper, comme ça on n'entendra pas ces petits bruits. Merci beaucoup. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le travail qui a été réalisé. Je rappelle, c'est quand même une collaboration qui s'est nouée très rapidement. Il s'agit d'un film laboratoire. Il s'agit vraiment d'un film qui a été réalisé en quelques jours seulement. Donc, même si on peut le recevoir et le regarder comme une œuvre finie, je tiens à dire que le pari est d'autant plus impressionnant. Voilà. Et je trouve que vraiment, il y a une qualité dans ce film, dans la durée, dans ce qu'il propose, proche d'un spectacle. En tout cas, voilà, très, très saisissant. Alors, j'ai envie de poser une question à Rachid, en fait, autour de la danseuse, parce que évidemment, cette danseuse, qui n'est donc pas Céline, on l'aura bien compris, est tout à fait saisissante. Je dirais que c'est pas une danseuse académique au sens où toutes les danseuses et danseurs ne tournent pas sur eux-mêmes comme cela. Elle a vraiment quelque chose de spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, nous dire d'où vient cette facilité qu'elle a de tourner et si tu la, puisque tu la connais depuis longtemps, d'où voilà, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle expérimente cette rotation? Oui, d'ailleurs, juste peut-être pour préciser, si elle n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est que Laura n'aime pas s'exprimer sur ce qu'elle fait, sur cette pratique, et maintenant je vais dire ce qu'est cette pratique. Écoutez, j'ai rencontré Laura en 2005 en Russie, et je l'ai vue
dans un spectacle à elle qu'elle réalisait. Et puis, on a sympathisé, on a commencé à échanger. J'étais là pour animer des ateliers, présenter une de mes pièces. Et puis, une complicité s'est nouée. Et depuis, effectivement, elle est dans la plupart de mes pièces. Mais il m'a fallu un très long temps pour réellement prendre pleinement conscience d'où lui venait ce mouvement. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vu évoluer, c'était un choc, hein, parce que je sentais bien que j'assistais à quelque chose qui allait au-delà d'une technique maîtrisée de giration. Ce qui vient d'être dit sur l'état de transe, l'état extrême dans lequel elle se met, on rentre en empathie avec ça, c'était d'une très grande puissance. Et quelques années plus tard, en fait, parce on a commencé à travailler ensemble, et elle m'a expliqué que ça lui venait, que c'était d'abord une pratique personnelle, c'est-à-dire que depuis, d'ailleurs, elle ne se rappelle pas depuis quand elle tourne. Elle tourne depuis l'enfance. C'était une pratique qu'elle a longtemps, une pratique personnelle, qu'elle a même cachée à un moment donné, parce que des gens de son entourage, étant donné qu'on est sur un mouvement répétitif et qu'elle était enfant, on s'interroge sur pourquoi un enfant reproduit un geste de façon aussi répétitive, etc. Mais elle a cherché son équilibre avec ça, et d'année en année, elle a développé un mouvement assez vertigineux, qui était beaucoup moins ornementé que ce qu'elle fait là avec ses bras, etc. Et à côté de ça, elle avait, on va dire, une vie plus traditionnelle de jeune danseuse en formation. Et c'est adulte qu'un metteur en scène lui a conseillé de réunir ces deux choses-là. Ce qui n'était pas du tout évident pour elle, hein. Elle avait vraiment l'impression de dévoiler quelque chose de très personnel. Et c'est donc ce spectacle que j'ai vu, hein, le moment où elle a réuni cette pratique et le fait d'être danseuse. Et puis, je l'ai invitée aussi à utiliser sa gération dans différentes pièces qu'on a menées par la suite. Donc voilà, peut-être que maintenant. Il y a toujours une certaine pudeur entre nous aussi par rapport à cette pratique, la façon dont elle l'intègre dans les projets. Il aura même fallu, en 2015, on a fait une pièce où elle est équipée d'un micro, où elle parle en même temps qu'elle tourne sur elle-même, et où elle traverse les trois phases que lui procure ce mouvement. C'est-à-dire souvent, d'abord, ça fait, elle rentre dans un état un peu méditatif, c'est quelque chose qu'elle garde sous contrôle, ça fait revenir des souvenirs. Ensuite, ça transforme ses sens un peu, le rapport à la lumière, quoi, tout ce qui l'entoure. Et puis ensuite, elle part dans un état de transe qu'elle module, en fait, pour pouvoir rester, quand je dis pour rester avec nous, parce que ben, en spectacle, vous imaginez bien, elle pourrait partir pendant des heures, et quand on a écrit des choses, il faut un peu suivre l'évolution du spectacle. Puis après, ben, voilà, on utilise sa giration souvent pour moduler le récit quand il y a des textes utilisés sur scène, comme là, le témoignage de Céline. Je donne souvent un exemple d'une autre pièce, mais qui, je crois, est assez parlant. Il y a plusieurs années, quand j'ai fait cette pièce, s'intitulait Des témoins ordinaires, qui se construisait à partir de témoignages de personnes qui avaient subi des actes de barbarie, des actes de torture. Ça faisait suite à toute une série de projets et de gens avec qui j'avais été en contact. Et ce spectacle débutait par le témoignage de l'auteur Gilbert Gatoré, qui avait été enfant témoin du génocide au Rwanda. Donc le spectacle commence pendant 10 minutes, on entend Gilbert. Et ensuite, il y a toute une évolution de pas, de gestes, toute une évolution chorégraphique. Et Laura entrait sur scène et se mettait à déployer une giration assez intense, assez puissante, avec une saturation de lumière, de son, du même compositeur que vous venez d'entendre, Jean-Baptiste Julien. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y avait un débordement d'émotions. Je crois que ce moment-là, c'est le point final du témoignage de Gilbert qui a eu lieu 30 minutes plus tard. Et c'est un peu ce que je cherche dans cette façon de composer entre l'expressivité des gestes de certaines personnes et de travailler le témoignage, c'est de donner peut-être à entendre autrement, avec nuance ou des strates d'un récit, ben un peu autrement. Et c'est exactement ce que là on a essayé de faire. Donc, merci d'avoir salué le travail, Maxime, concernant le peu de temps, etc. Mais il n'y a pas de mérite parce que ça s'appuie quand même sur une grande complicité, quoi. D'abord la générosité et le témoignage de Céline, qui est, voilà. Justement, Pardon. j'aimerais peut-être
demander à Céline, et en ça, je rejoins une question qui nous est posée par un spectateur, Bruno Mattia, qui demande, Céline, quelle a été votre première émotion à la vue de ce film? Je rajouterai même, vous qui êtes une artisane de la transe, qu'est-ce que ce mouvement giratoire vous évoque? La première émotion, déjà, quand j'ai vu Laura, pour de vrai, faire ses girations, j'ai pleuré. Et quand j'ai vu le film, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré parce que c'est puissant. Et en ça, il l'a dit, Rachid, tout au début, c'est on m'avait jamais fait décortiquer la physicalité de mon expérience. Et bon, là, vous avez 10 minutes, mais on a parlé, on a enregistré pendant une heure et quart. Et on n'avait jamais découpé, en fait, et mis crescendo petit à petit toute cette expérience physique qui a été traduite par la suite par Laura. Et effectivement, je vois beaucoup de gens qui disent que la gération de Laura pourrait ressembler à tout ce que font les derviches tourneurs. Ça, je laisserai Rachid en parler. Mais en ça, la transe, en fait, là où on se rejoint, je pense que Laura et moi, à un moment donné, on bascule dans ce qu'on appelle de toute façon un état de conscience modifié qui est, il y a un déclencheur, il y a un trigger, donc ça va être d'hypnose, ça va être un son, ça va être, alors moi pour le coup, c'est pas du tout le son du tambour, c'est à la voix de mes maîtres et aux prières ou au lieu où j'officie, ou avec mes vêtements, là, Rachid l'a vu, mes vêtements sont animés, je pars. Et ensuite, cet état de conscience modifié, en fait, il n'est pas induit chez moi. Il n'est pas volontaire. Je le cherche pas. C'est vraiment au contact de choses qui fait que je suis comme happée au bord d'un précipice et je laisse la place. D'ailleurs, on en rigolait avec Rachid parce que je lui dis, mais en fait, je suis pas chamane, je suis agent immobilier. Je loue un bien Airbnb. Il y a des gens qui arrivent dans mon corps, qui repartent. Je fais un état des lieux pour voir si tout le monde est bien parti. Voilà. Donc, ça me fait à chaque fois sourire. Mais voilà, on apprend à vivre avec ses locataires. Qui vont et viennent. Et je pense que là où on se rejoint avec Laura, ça va être effectivement cet état. Il y a un moment donné, il y a deux états. Je pense qu'il y a le premier état qui est le lâcher prise. Pour pouvoir être dans cet état, il faut complètement s'abandonner et il faut abandonner son corps. Donc, il faut vraiment dissocier le corps et la conscience. Il faut dévisser le cerveau et se faire confiance et faire confiance qu'il y a un truc en backup qui fait que tout va bien se passer. Et la deuxième, je trouve, le deuxième état, je trouve, où on se rejoint, va être un moment, je pense, de bien-être et de béatitude que j'ai pas souvent en cérémonie. Alors, j'ai décrit effectivement pendant la vidéo un état qui m'était arrivé et il n'arrive pas souvent. Mais lorsqu'il arrive, c'est vrai que je pense qu'avec Laura, on est assez proche de cet état d'esthétique, comme disait Mirsa Eliade, ou de béatitude totale, parce qu'on est complètement abandonné. Rachid, je vais vous relayer plusieurs questions qui nous émanent des spectateurs et spectatrices. Alors, Céline le disait, Sylvie nous demande si Laura est inspirée par la danse des derviches. Je vous donne toutes les questions, hein, je vous laisserai répondre par la suite. Autre question, beaucoup de spectateurs et spectatrices sont impressionnés par ce mouvement qui est finalement continu, très répétitif, qui ne semble pas s'arrêter. Certains demandent, est-ce que l'image a été accélérée vers la fin? Est-ce qu'il y a eu un montage? Et comment fait la danseuse pour, comme ça, s'arrêter net et repartir vers la porte sans même un vacillement? Voilà les questions de nos spectateurs et nos spectatrices. Concernant les derviches, non, vous le savez, les derviches tourneurs, c'est un ordre religieux, un ordre islamique, alors que Laura, elle n'est pas du tout dans une pratique religieuse. Quand elle fait ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un besoin, c'est un besoin physique, c'est quelque chose qui l'appelle, c'est une pratique quotidienne, elle a besoin de tourner pour elle tous les jours. Ensuite, c'est des questions qu'on pose souvent, hein, sur... Non, je ne sais pas ce qui se passe, c'est d'ailleurs assez troublant, et ça je l'ai découvert avec Céline, c'est-à-dire que Laura tourne dans un seul sens, et elle peut s'arrêter à tout moment, et elle sait exactement où se trouvent les choses autour d'elle. Elle ne se perd pas. D'ailleurs, c'est une anecdote, mais elle dit souvent « les choses tournent autour de moi ». C'est-à-dire, c'est des choses qu'on a mis en scène dans certains spectacles, il faut vraiment l'imaginer, si j'essaye de traduire un peu son expérience, que c'est l'œil du cyclone. Pour elle, tout est calme. Elle est au milieu, et plus elle tourne,
plus elle s'apaise, plus elle se tranquillise. C'est des choses qu'on a révélées au travers de sa voix dans certaines expériences. Plus elle tourne, plus on se rend compte de l'état de calme et de bien-être, malgré la grande vitesse qu'elle peut prendre. Après, non, il n'y a pas d'effet de montage. On s'est posé la question, parce que je trouve toujours assez intéressant de partager la durée, la continuité. Parce que bon, de l'avoir tourné 2 secondes, on peut être, voilà, c'est une certaine expérience. Et de l'avoir tourné des minutes, voire des heures, hein, pour elle, elle le fait. Parfois, ça peut durer 1 ou 2 heures. On s'est posé la question de faire un plan séquence. Et puis, très sincèrement, on n'y est pas arrivé dans le peu de temps qu'on avait. C'était trop compliqué. Le drone, il pouvait cogner les murs. Tout ça, on a abandonné l'idée. Mais non, il y a le choix de montage. Voilà, ils se sont pas faits pour lui donner du souffle, du rêve. Même très sincèrement, c'est une proposition plutôt très calme pour elle, là, ce que vous venez de voir là. Certains des, j'imagine que, quoi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent Laura dans d'autres spectacles. Elle peut partir dans des états bien plus intenses. J'ai fait le tour des questions. Oui, et j'en ai un certain nombre d'autres qui arrivent, qui vous sont destinées, Céline. On vous demande depuis combien de temps vous officiez en tant que chamane, et également de revenir sur les différentes phases et les différentes strates qui vous mènent jusqu'à la transe et que vous traversez pendant la transe. Alors, ça fait 7 ans et j'ai encore 3 ans, c'est pas fini. Vous êtes en formation encore. Ouais, je vais encore pendant 3 ans dans le nord de la Mongolie. Puis de toute façon, j'ai des liens personnels et professionnels là-bas, donc ça me dérange pas de m'enfoncer au fond de la Mongolie là-haut. Et les différentes phases, chaque transe, chaque cérémonie est totalement différente et est un apprentissage. Il y a des cérémonies très douces. Parce que j'ai 2 esprits. Alors, j'ai vu une question passer. Oui, ce sont toujours les 2 mêmes esprits qui m'accompagnent. C'est un peu une équipe. Et donc, il y en a une qui est assez douce et effectivement, qui est assez maternisante dans sa façon d'être et de gérer les choses et dans ses réponses. Et l'autre est guerrier. Donc, il faut encaisser l'énergie qui me renvoie par le corps, comme on racontait dans le film. Les étapes vont être que je me sens complètement en chaos ou sonnée. Au moment où je vais commencer à mettre mon costume. Donc c'est pour ça que j'ai toujours avec moi une assistante ou un assistant, ça dépend où je suis, mais j'ai une assistante ici en France qui est mongole, qui s'appelle Altanzoul. À partir de là, je sais qu'il faut qu'on se dépêche parce que je me retiens de pas partir. Et ensuite, en fonction de la problématique que je vais avoir, qu'on va poser aux esprits, ça va être plus ou moins fort. Donc, ça va passer par le physique, ça va passer par la voix. J'ai une voix extrêmement puissante. Alors là, ça, à chaque fois, j'ai même mes tympans qui grésillent. C'est assez, assez marrant. Et il y a le tambour qui va ensuite accompagner pour faire monter la transe à un cran. La transe à un cran plus loin, mais de l'autre côté, je vais vous dire ce qui se passe réellement, c'est qu'on va dans le monde invisible un peu plus loin avec ce tambour qui a 2 fonctions, qui a une fonction psychopompe, c'est-à-dire que ce tambour est un cheval qui vous amène de l'autre côté, donc c'est lui qui fait office de cavalier, vous n'y allez pas tout seul, et il fait office aussi, les sons que j'entends et que je comprends sont des prières et sont des sons de guérison. Et après, il y a aussi les prières. Donc, les prières, alors là, c'est comme le dit, là, je rejoins cet anthropologue que j'ai déjà rencontré, avec qui j'ai déjà discuté, Charles Stepanov. Les prières sont, c'est du Baudelaire. Alors, je comprends rien de ce que je raconte parce que c'est pas ma langue. Mais je comprends, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est magnifique. Voilà. Je vous relaye 2 questions encore. La première pour vous, Céline, comment est-ce que vous identifiez les 2 esprits qui vous habitent? Et Rachid, je vous relaye la question, je vous laisserai tous les deux répondre. Comment, alors là, c'est plus une question sur la forme, sur ce film, comment penseriez-vous le rapport aux spectateurs, leur place dans l'espace pour cette chorégraphie dans le cadre d'un spectacle en présentiel? Je laisse d'abord la parole à Céline. Alors, bah c'est très simple. Comme je l'ai expliqué dans le film, j'ai toujours les 2 mêmes qui m'investissent et donc du coup, ils changent mon corps. La femme va adoucir ma voix et c'est rentré, donc va rentrer mes épaules physiquement. L'homme est assez, il a beaucoup d'humour, donc je pense qu'il avait une barbichette. Je sais pas, je suis tout le temps en train
de toucher comme si j'avais une barbichette, c'est assez marrant. Et après, si j'invite d'autres esprits, parce que ça peut arriver à participer, à parler, ben, c'est comme je l'explique, mon corps se transforme et je garde ces traces vraiment marquées du saut de l'invisible dans mon ADN. Donc, si je pense à un truc là qui m'est arrivé au solstice le 21 juin, c'était un esprit de là où je vais faire mes cérémonies. Rien que d'y penser, je sais exactement, voilà, ici il y a un point qui me, voilà, ce doigt là à gauche c'est bizarre parce que ils m'ont investi à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Et Rachid, pour votre part, on vous posait une question donc sur le comment vous auriez imaginé ce spectacle dans un rapport en présentiel. Et je rajoute une autre question qui vous demande donc, est-ce que vous êtes vous-même inspiré par ce qui a trait à l'animisme ? En salle, je peux vous raconter ce qui était prévu parce que finalement ça n'a pas eu lieu, puis on avait un peu échangé avec Céline. Non, mais en fait, je pense que sur ce qui est du visuel, en tout cas sur cette rencontre avec Laura, elle aurait eu lieu. J'étais parti pour être dans un rapport assez classique, frontal, et je pense que c'est sur les autres éléments que j'aurais agi, c'est-à-dire l'intensité sonore et un rapport aussi d'éblouissement dont m'a beaucoup parlé Céline. Donc ça serait je pense que cette chose que je ne maîtrise pas quand je m'adresse à des personnes qui sont sur des soit des écouteurs, soit des haut-parleurs d'ordinateur, dans l'écriture je pouvais pas miser sur la saturation sonore, le volume ou l'éblouissement, c'est-à-dire ce qu'on est capable de produire dans une cage de scène, c'est pas un écran LCD qui me permettait de beaucoup me projeter. Donc voilà, ce serait plutôt ce sur quoi je serais parti, je dirais. Et voilà, parce que pour répondre aussi à tout ce qui est présent, parce que je trouve important de le pointer, je ne sais pas si on aura le temps de ça, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on vient de voir, c'était aussi, parce que je viens de parler d'images, de sons, de musique, c'est aussi le travail de Jean-Baptiste Julien, le compositeur, hein, cette lente montée musicale qui fait qu'à un moment donné, il y a cette saturation, Céline arrête de parler, donc l'écho des mots de Céline avec ce type de gestes, et puis le mouvement, le mouvement du preneur de vue, c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup avec Jean-Camille Guamard, le réalisateur, la personne qui a réalisé les images, parce que il apporte aussi une expérience physique. C'est impressionnant de voir Laura tourner, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tout ce qui participe de l'expérience physique. Le récit de Céline, le son et ses mouvements de caméra qui ont été choisis. Et puis pour ce qui est de... est-ce que l'animisme m'intéresse ? C'est ça ? Ou est-ce que c'est source d'inspiration ? Très sincèrement, non. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais motivé par cette rencontre avec Céline, c'est que je suis, parce que tout à l'heure je l'ai dit, enfant j'ai baigné dans des personnes qui créent des rituels, etc. Mais c'est quelque chose dont, je crois que ça fait partie de la fracture culturelle que vivent parfois des enfants issus de personnes qui arrivent avec une autre culture. Quand on grandit ailleurs, en fait, je voyais ça, je l'observais, ça fait partie de la vie de tous les jours, mais je ne me sentais pas concerné. Et aujourd'hui, intellectuellement, bien sûr, je regarde ces choses-là, mais pour être très très honnête, je dirais pas que ça me... Bon, c'est surtout que c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas tant penché que ça, et donc c'est un champ que je connais peu, et ça a été une superbe entrée avec Céline, je crois qu'il y a des choses que j'ai perçues intuitivement qui maintenant sont de plus en plus claires. On vous demande, Rachid, si vous êtes tenté par le fait de faire une séance, Laura et vous, avec Céline D'Artagnan. Non. Pardon, je ne sais pas comment répondre avec Laura. Non, en plus, Céline, je ne sais pas comment... Tu reçois des personnes parfois, plus haut, je veux bien que tu parles de justement, tout ça. Justement, c'est une question qui rejoint celle qu'on veut vous poser également, Céline. Déjà,
Est-ce que vous êtes investi d'une mission? Comment est-ce que vous mettez en œuvre? Avec qui? Dans quel contexte vous mettez en œuvre vos compétences de chaman? Alors, j'ai deux profs très traditionnels, donc je peux pas les mettre en œuvre de n'importe comment. Si c'est, alors je refuse tout bonnement tous les, ça serait marrant, ça serait rigolo, j'aimerais bien voir. Je refuse. On vient voir en fait des chamans parce qu'on a de vrais soucis. D'ailleurs, c'est Mircea Eliade qui a beaucoup défini en tout cas ce qui était profane et ce qui était sacré. Et lorsqu'on devient chaman, on a un espèce de cheminement qui est très étrange à l'Occident. L'Occident ne connaît pas ça, mais on est profane et on a un cheminement pour devenir sacré. Je lisais une des questions, on n'est pas guérisseur. On est là-bas, on est comme là-bas ou même ailleurs, hein, où il y a de l'animisme en Afrique ou ailleurs, on est investi, on est prêtre, on est devin, on est guérisseur, on est. Voilà, il y a un espèce de statut un peu particulier. Après, tout dépend, voilà, de ce qu'on me demande. Et puis, c'est à moi d'avoir un peu de discernement sur les demandes et de dire oui ou non. Pour les cérémonies, c'est pas systématique parce que tout n'est pas, enfin, on peut pas tout résoudre par cérémonie. Puis, ça serait aussi mettre la cérémonie à un statut magique, ce qui n'est pas. Donc, il faut faire attention. C'est quelque chose de sacré, donc on fait attention à comment on résout les choses et pourquoi on le fait. Et là aussi, même cette collaboration, il faut bien réfléchir à pourquoi, voilà, qu'est-ce que je donne dans cette collaboration, pour quel but, est-ce que c'est en lien et en phase avec l'éthique que moi je porte et comment je le transfère aujourd'hui. Eh bien, bah, chaman, c'est pas un métier. Donc, je construis moi mon métier, je monte plusieurs choses à côté. Donc, c'est un cadeau qu'on fait à sa communauté. En Occident aussi, là, c'est encore compliqué parce qu'on n'a pas de notion de clan ou de communauté. Voilà, je me mets à disposition et je suis à l'écoute, effectivement, des gens qui viennent me voir et avec des réponses de discernement ou, effectivement, après, la case cérémonie. Je vais peut-être prendre une dernière question. Céline Bruno te demande si tu as envie d'inclure de la danse dans ta pratique. Dans ma pratique, non, je peux pas. Pourquoi donc? Dans ma pratique, mais j'apprends avec deux profs. Enfin, j'ai appris avec un premier prof de la tribu des Dalhat et une autre prof qui est de la tribu des Tsatan. Donc, je vois les commentaires, mais j'ai la même prof que Corinne et c'est totalement le hasard. On a très peu de danse. Enfin, on va être emporté. Il n'y a qu'un cas, mais on va être emporté si on est tous en clan autour du feu. Mais c'est parce qu'on est emporté par effectivement la gération, la transe, et on tourne, mais on n'a pas. On doit. En tout cas, moi, je n'inclurais pas autre chose de par rapport aux enseignements que je reçois et que j'ai reçus. Parce qu'ils veulent pas. Et je respecte. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose en écho avec ce que disait aussi Rachid par rapport à la question qui lui était posée sur son rapport à l'animisme, de dire peut-être que dans la danse contemporaine, en tout cas, il y a une expérience de la durée, de la présence qui rejoignent peut-être, en tout cas c'est ce qu'on peut déceler dans ce film, quelque chose de l'ordre de l'expérience chamanique. Et je me suis permis de mettre en chat un article du Monde rédigé il y a 2, 3 ans. Qui justement recensait un petit peu différents travaux de chorégraphes contemporains qui s'inspirent de la transe. Donc c'est intéressant en dehors et au-delà de cette collaboration de voir qu'il y a un courant comme ça dans la danse contemporaine hein, qui s'inspire de ces pratiques. Alors, je vous parlais d'une dernière question, mais je vais en prendre une dernière parce qu'elle est revenue à deux reprises. On nous demande, Céline, enfin, certains spectateurs et spectatrices font le constat qu'on voit de plus en plus de chamans. En tout cas, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus rendues visibles chez nous, occidentaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette médiatisation ou en tout cas de cette presque vulgarisation de cette pratique? Ah ben, il faut rajouter un quart d'heure là. on est en crise identitaire et en crise de valeur. En Occident, c'est vrai qu'on n'a pas ce terreau, en tout cas culturel, qu'on peut avoir d'autres pays comme le Japon, comme la Mongolie, comme beaucoup d'autres pays, comme au fin fond de l'Amazonie, etc. Après, il y a. Alors moi, j'aime bien aussi aller lire un peu tout le monde, même des choses qui sont pas consensuelles. J'aime bien cet écrivain qui s'appelle Marion d'Absence, enfin, qui est pas écrivain d'ailleurs, qui est historien,
historienne, pardon, Marion d'Absence, elle a écrit un livre qui s'appelle « Qu'ont-ils fait du bouddhisme ?» et elle écrit sur le bouddhisme aujourd'hui en Occident. Et on pourrait se poser exactement la même question sur l'appropriation culturelle de spiritualité qui sont importées en Occident. Et c'est vrai qu'on fait un peu son supermarché, on vient prendre ce qui nous convient, parce que moi, je peux le faire entre 18 et 20 heures. Sauf que c'est un vrai engagement. Et c'est un engagement qui est total. Ça a des répercussions sur ma famille, ça a eu des parce qu'il a fallu que j'en parle à ma famille, de mes choix, de pourquoi je quitte un super poste et comment je vais le faire, pour pas qu'ils me prennent non plus pour une cinglée. Ça a des répercussions sur pas mal de choses, sur aujourd'hui ce que je suis en train de monter avec mes tripes, mes valeurs. Donc être chaman aujourd'hui, parce que il y a aussi cette notion d'élu. C'est toujours bien, ou alors il y a, si c'est pas la notion d'élu comme en Mongolie, alors c'est une notion de tout le monde peut l'être. Voilà, c'est aussi se chercher. Il y a une quête identitaire dans la quête de spiritualité, mais attention qu'elle soit pas individuelle, et il faut essayer à chaque fois de revenir sur du collectif. Mais je vous propose de conclure sur ces mots. Je vous remercie en tout cas infiniment, Rachid et Céline. Merci également à la danseuse que l'on a vue dans ce film, Laura Yudokait. J'en profite pour remercier également nos partenaires du 104, donc toutes les équipes du 104 et José Manuel Gonçalves. Merci aux équipes de l'ADN. Et quant à nous, je vous propose que l'on se retrouve jeudi prochain à la même heure, soit 19h. Et nous serons en compagnie de l'écrivain-comédien David Valle et de l'explorateur Christian Clos. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.